soir, passer la soirée, faire la justice aux animaux, pour que vous ayez le bon, depuis. Il a trouvé mieux place dans la salle. Écoutez, vous savez que il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, je pourrais te répondre à cette question après le mardi. Parce que nous avons un autre rendez-vous à la cour, non, au parquet, c'est la cour de cassation, le mardi avec les premiers termes. Mais ce que je peux te dire ici est que nous croyons jusqu'à la preuve du concierge au déroulement de la procédure. Où on en est et pourquoi? Mon frère, ce pays, c'est un pays d'état de droit, non? Il est dans un état de droit, tout Congolais vu le même droit que le président de la République. Dans la pays. Nous sommes un pays qui se fait état de droit. C'est bon. Mais comment? Management, c'est bon. Je t'ai dit que le président Kabou, c'est un grand leader. C'est un grand manager. C'est un visionneur. C'est un grand manager aussi. Je vous dis bien que c'est un grand manager. Je t'ai dit bien que c'est un animal politique. Je t'ai dit bien ici que c'est un maître d'école. J'aime pas. Quel maître d'école de qui? Je te parle que le président Kabou, c'est un maître d'école. De qui? Mwamboka Boaz, bonjour. Bonjour. Mwamboka Boaz, bah il va t'aller partout dans les canaux de la Congo Live Télévision, plus de 5000 abonnés, bah ça se coûte branché. On a nommé Mwamboka Boaz. On a dit mon cobaye politique République démocratique du Congo où il y a parti assez, il y a Alliance pour le changement. Il y a Mwamboka Jean-Marc Kabunda. N'importe quoi, la position va là-bas Mwamboka. Oui, je suis cadre du parti, mais aussi communicateur du président Jean-Marc Kabunda. Merci beaucoup, Mwamboka Boaz. Je vais vous apporter mon nom de la Congolais Télévision. Précisément, je vais vous apporter mon nom de la Congolais Télévision. Je vais vous apporter mon nom de la Boaz. Je interpellation à mon nom de Jean-Marc Kabunda. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit boulevard des 30 juin, côté à parquet, près de la cour de cassation. Oui, c'est comme Jean-Marc Kabunda qui a été interpellé. Quand nous avons dit que 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 nous avons lobby que nous d'abord dit que parquet près la cour de cassation. C'était pour comparaître. Et biso loko la bagene est parti les combattants de première heure, Saint-Thierry à président, les Congolais, nous sommes les croire, vision et président Jean-Marc Kabunda. Programme et à partir de la vision, qui mobilisé comme un seul homme pour accompagner leur leader. Il y a un lobby, BCDC, vous avez vu comment la police congolaise. Oyo Azaline a mission à sécuriser personne, voilà, s'est comporté de quoi là-bas, agent et à désordre, au lieu d'être les agents de l'ordre. Kangi Bisso en désordre, Botoli Bisso va téléphone, Botoli va moto, Kangi va Missous. Or, nous étions bien préparés et on accompagnait notre leader d'une manière pacifique. On n'avait pas vocation de troubler l'ordre public. Mais au moment où il y a eu Kazaki Bisso, Betty Babal. Et finalement, nous avons atteint notre objectif, c'était celui d'accompagner notre leader. Nous l'avons accompagné. Et à Komaki, à Kotaki, entendre, et puis la mission a été accomplie pour nous, les jeunes du parti. Merci beaucoup, Mboukouti. Je suis beaucoup de temps, je suis beaucoup de temps. Pardon? Je suis beaucoup de temps, je suis beaucoup de temps, je suis beaucoup de temps. D'accord. Thank you.
Merci beaucoup, moi, en tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que très choquant et pessi ba yimboka passi ba bengo outrage contre chef de l'état mon amboka boni boni mon amboka jamais kabona ko traité pour yato ce qui devient juicier mon amboka. D'accord, merci beaucoup Ndeko. Il faut d'abord aussi souligner que président Jean-Marc Kabound tango a lancé qui a sala qui première sortie médiatique naï. Président Kabound n'a pas parlé de Ndeko Félix. Président Kabound a parlé de l'état. Il a parlé de la vision qu'il a pour l'état et la façon dont lui pense gérer la République. Il a aussi dénoncé la jouissance. Il a aussi dénoncé l'incompétence, mais aussi l'absence d'une vision claire pour la gestion de la République. Alors, il faut comprendre une chose. Tant que le président Kabound a dit que la jouissance, il faut que Bandeko va comprendre que la jouissance, le président Kabound a s'attaqué. Il ne s'est pas attaqué sur la vie privée de Félix Tshisekedi, mais encore de sa tendre épouse, que nous respectons très bien. Mais plutôt, le président Kabound, lorsqu'il parle de la jouissance, c'est le fait que les politiques congolais, les hommes qui sont censés donner des solutions palliatives, ou, excusez, les solutions palliatives aux problèmes des Congolais, Bango Bazali, insouciant. Vous comprenez, quand nous parlons des jouissances, ce sont des personnes qui sont insouciantes aux problèmes du Congolais. Cependant, Bazali est obligé de trouver ma solution aux problèmes du Congolais. Donc là, je n'ai pas vu là au présent Kabound a qualifié Ndeko Félix des jouissants, des jouissaires. Quand on parle de jouissaires, on voit ici une personne qui ne s'occupe pas de la vie des Congolais, une personne qui ne répond pas aux attentes de notre peuple. Les lots et les savons génie, ils ont coûté combien? Savons génie coûte trop cher, ce n'est plus de 150. Savons génie, j'achète ça à 700 francs. L'IP, ils ont acquis 200 francs. L'IP, on a commis les lots 400, 500. Des affaires, il n'est pas canal. Pardon? Des affaires, il n'est pas canal. Non, mais je parle du régime passé. Savons génie, ils ont acquis 250. Régime passé, il n'est pas canal. Je parle d'un régime. Je ne parle pas des individus ici. Je ne suis pas venu ici pour parler d'une personne. Je parle des individus. Je parle des régime passé est amusé. Non, je vous parle du régime sortant. Et vous connaissez bien c'est quoi je suis en train de parler. Ok, moi, je vais vous dire que Joseph Kabila est sénateur à vie. Oh, ok, vous comprenez. Savant, tu m'as dit qu'il consomme 250, les lots, savant, on est. Mais ça ressemble à moi, je vais vous dire. Il a acquis 200 francs, il a acquis 400. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est l'incompétence ou ce n'est pas l'incompétence? Et tant que nous avons la notion d'incompétence, est-ce que l'incompétence, c'est une insulte? Non, mais quand nous parlons de l'incompétence, on n'a pas insulté M. Félix. Nous parlons de la gestion de la gouvernance qui n'est pas à la hauteur. Nous, avec les amis Oyo Bazali Kamamo Kalilo, nous avons promis au peuple congolais la vie sociale, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Bandeko et l'autre dans le pouvoir, est-ce que le peuple congolais se retrouve? Alors il faut que tous à la série et tous le baguette, non? Nous sommes incompétents de notre gestion. Il y a un président Kabound lobby. Et il y a un monde à l'obaki, tant que ça a sorti médiatique, à l'obaki, il y a l'incompétence. Incompétence notoire au sommet, il y a pouvoir. Et puis, incompétence au sommet, il y a pouvoir. Quand nous parlons des compétences, nous voyons aussi les chefs des quartiers, nous voyons aussi les premiers ministres, nous voyons aussi le président de la République, nous voyons aussi tout, à tous les niveaux, il y a l'incompétence. Merci beaucoup, mon amour, incompétence au gérer, mon amour, taxer mon amour, taxer le pouvoir à mon amour. Dans le zone, Batozali, taxer incompétence, c'est-à-dire le système place, de gestion. Il y a pouvoir en place. Voilà. Au pays, mon amour, Kabound a contribué pendant 4 ans. Bon, président, là, il faut. Pourquoi aussi la Sony? Il faut faire le parallélisme des choses. Président Kabound était d'abord député national. Comme tel, il a un bilan qu'il va devoir présenter devant Bapep. C'est-à-dire, sur la conception, il y a un ban en Mwamba. Il y a un mandat et un député national. Et puis, sur ce côté-là, nous avons un bilan. Président, et ici, président est parti au pouvoir. Voilà, il était. Il a fait un mot d'ordre à Rouloubapé, peut-être sur plan, peut-être conseil vis-à-vis chef de l'État. Non, mais il avait quoi lui dire pour la gestion de la République. Il faut que le président Kabound, au côté de Félix, Félix Tshisekedi, a bandaki kopesé batoli pour améliorer. En coulisses. Même bien sûr,
Pour la quoi améliorer vie sociale là-bas, il y a peuple congolais. Pour la quoi améliorer situation là-bas combattants. Vous comprenez? Donc président Kamoun a fait ce qu'il pouvait faire à son niveau. Mais c'était à M. Félix. Mais écoutez, vous ne me laissez pas le temps de parler. Parce que les Congolais, il faut comprendre. Certainement. Parce qu'il y a Zaraki d'abord numéro 1, il est parti au pouvoir. Oui, il y a mon carte. Tu as des preuves. J'aimerais que tu puisses me brandir ici des preuves. Ce sont des allégations fausses qu'il ne faut pas d'ailleurs. Qu'on revenir sur ça parce que vous n'avez pas de preuves, mon frère. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Est-ce que Okikoula Xanga Moutou a dit qu'il y a PC qui présente Kaboun Mbom ou Yakart? Cette façon de présenter la chose n'honore pas. N'honore pas même le parti de PC. Parce que le parti de PC avait toute une administration gérée par le secrétaire général. Mais quand vous revenez. Je ne sais pas. Le secrétaire général, il y a IDPS. Quoi, ça s'appelle qui? Non, mais je ne parle pas ici des individus. Je vous ai bien dit. La gestion du parti, ou bien l'administration du parti, était bel et bien gérée par le secrétaire général. Mais le secrétaire général que vous venez de citer ici, assez au salon maintenant politique, mon bagage, oui, mais ça, comme vous mentionnez, il y a IDPS. Est-ce que vous n'avez pas de Jean-Marc Kaboun, vous n'avez pas de 4 ans après, vous avez combattu à passe, vous avez mis ça là, 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 vous avez mis ça là. Tout ce que secrétaire général, il y a des pèses à Otukoluba. Est-ce que c'est une parole? Ouais. Est-ce que c'est une parole d'évangile que nous devons dire amen? Pourquoi tout ce temps que le président Kaboun était numéro 1 du parti, Otukoluba, on n'avait pas dit ça? Tout ça, c'est quoi? Il était dictateur. Non, il veut tout juste dévier. Hein? Il veut juste salir l'image du marque de notre leader. Il veut juste ternir l'image naïe. Mais Nazali ko yebisa yo awa ke ndeko chama kabunda azali mon pépé asika. Et puis mon pépé bakanga ka yamote. Ils sont en train de monter les dossiers pour voir dans quelle mesure du possible le bakoki ko salirie mais aussi maye. On a mon maye bapiné pour ko tou la pas aussi. Non mon frère, tu n'as pas de preuves. Moi j'aimerais ici que tu me présentes les faits et moi je te donne des explications. Mais quand tu viens avec des affirmations gratuites en tout cas, excusez-moi, je n'entrerai pas sur cet élan là. Mais mon frère, vous venez ici avec des affirmations gratuites sur la personne du président Jean-Marc Kaboun. Si tu me présentes des faits, tu me présentes des preuves tangibles, Boaz peut te répondre calmement que venir ici verser dans les accusations gratuites, Oyo, ce qui n'est pas Kaboun à saisir justice, ni Yonin de Go, Oyo, tu le Bawana, ne peut pas brandir de preuves. Oui, après, il y a beaucoup de qui dans un jet privé, qui dans un. Avec une espèce faciale, peu qu'on appelle après, dans le pays, on a mangé un peu comme on a attaqué pour voir en place les alliés. Je vous dis que le président. Parce qu'il y a une pièce contre pièce. Je vous dis que le président Kaboun a été invité au parquet près de la Cour de cassation. Je vous ai dit qu'il a été entendu. Et il est responsable, il assume. C'est qui est. Je vous dis bien qu'il assume pleinement ses dires. Et je te dis bien que Nyon soit lobby, Azali Bosso et la justice, c'est, il va brandir tout ce qu'il a dit devant la justice. Vous aurez quoi dans la justice au Mambouka Boaz Mamba? Comme des républicains, nous sommes obligés de croire à cette justice. Ok? C'est pourquoi, jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes en train de suivre de près le déroulement de cette instruction. Nous espérons que justice a tiré à la justice. Justice à la justice? Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez un peu, c'est pas dans la justice, hein? Entre différence entre pouvoir passé et pouvoir actuel? Différence de justice, c'est un élément. Bon, depuis. Vous avez trouvé mieux place dans la salle. Écoutez, vous savez qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, je pourrais te répondre à cette question après le mardi. Parce que nous avons un autre rendez-vous à la cour, au parquet près de la cour de cassation le mardi avec le président Kaboun. Mais ce que je peux te dire ici est que nous croyons jusqu'à la preuve du contraire. Et au déroulement de la procédure. Non, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a fait la télévision, peut-être. Vous avez proche, on va se trouver dans la salle pendant l'audition, on va jamais Kabounde. Tu as assisté à l'audition et bien pouvoir passer par le parquet. Oui, jusque-là, je peux vous dire que la démarche. Jusque-là, je t'ai dit, jusque-là, instruction, et voilà, ils ont dit qu'on t'aime la malade. Par rapport à... Nous attendons encore ces représentants encore demain.
quand même fixé que d'Amérique pour améliorer mon côté justice. Je vous dis bien que nous serons encore là-bas le mardi pour une deuxième audition et après, tu auras l'émission Moussous. Pourquoi vous ne connaissez jamais Kaboul pour finir la justice? Vous condamnez pourquoi? Mon frère, ce pays se veut un pays d'état de droit, non? Et dans un état de droit, tout Congolais jouit le même droit que le président de la République. Tout dans la PNI. Nous sommes un pays qui se veut état de droit. Qui a appliqué ça? Je te dis, nous sommes un pays qui se veut un état de droit. Et comme tel, nous devons certainement respecter cet état de droit si certainement nous voudrons en tout cas le mettre en pratique. L'état des droits, c'est l'idéal de tous les Congolais. Non, nous devons... Écoutez, l'état des droits, c'est un idéal. Même nous. Même nous, nous sommes les partisans de l'état des droits. Mais l'état des droits n'est pas seulement... L'état des droits, il y a toute une matière sur ça. Je pense que nous aurons une émission pour parler de l'état des droits. C'est l'homme Bissot où vous allez comprendre en gros à présent Jean-Marc Cabon. Est-ce que depuis que vous avez été en pouvoir, est-ce que le pourcentage de l'état des droits est-ce que vous avez été en pouvoir? Est-ce que vous avez promis, mais quand même, les alliés? En tout cas, si... Attends, depuis que vous avez été 4 ans pour en pouvoir. En tout cas, si je peux vous répondre à cette question, nous n'avons pas encore atteint même 20% de l'état des droits. C'est vrai. Oui, depuis que Mwanamboka Félix a du pouvoir, pas même 20% à l'état des droits. Parce que l'état des droits, ce n'est pas Oyo Bango Bazali qui présente Bissot, ou la justice à Kangi Kamere, na Tongo, na Pogo Bati Kamere. Non. L'état des droits régorge tous les besoins de la vie nationale. L'état des droits, c'est lorsque Tozali Kosi Sebitumana est. L'état des droits, c'est lorsque l'État est à mesure de créer les emplois pour le peuple. Pourquoi il s'en gagne depuis Ndeko Félix Azui Bokonzi? Combien d'emplois a créé? Président Félix a parcouru le monde entier pour chercher les investisseurs. Pourquoi il s'en gagne combien d'investisseurs va y en amour cannabis? L'état des droits, c'est aussi. Écoutez, l'état des droits, c'est aussi garantir un enseignement de qualité. Bazali gratuité. Est-ce que Bazali Kolandela Yango? Parce que des grèves, ils allaient tous les jours. L'état de droit, c'est donner aussi de l'eau potable à tous les citoyens, même les citoyens qui vont dans le Congo profond. Mais je peux te dire ici, il y a des territoires où régit des eaux qui sont habitées. Est-ce que nous pouvons parler de l'état de droit? L'état de droit, c'est aussi l'accès à l'électricité, mon frère. L'état de droit, on comprend, je t'ai dit que c'est toute une matière. Donc, l'état de droit, c'est lorsque Bakangi Mutuna Tongo, Oyo Batiki. Non, ce n'est pas ça l'état de droit. Nous sommes des socialistes. Et comme socialistes, nous voyons l'état de droit comme. Besoin. Il y a Bana Mboka. Et puis, besoin, voilà, c'est aussi la justice équitable. Besoin, voilà, Oyo Nautiko Ebisayo. Copé Sabatou Maï, eau potable pour tous. Bah, besoin ou non, ils allient aussi une révolution sociale. Donc, comment quand vous bandez, on a mis sur vous présenter, mis sur le coup l'état des droits. On a mis sur le coup. Bandez, on a mis sur vous avec vous comme un bocat. Banane. Non, je ne parle pas des individus ici. Non, Lingo, on a quoi la piège, Nayo? Je ne parle pas d'individus ici. Je suis venu ici pour parler de l'État, de la vision que nous avons pour l'État. Camère aussi, j'ai. Pardon? Camère aussi, j'ai. Je viens encore une fois te le dire ici que Jean-Marc Kabounde était député national. Comme tel, Azan Abila. Avec un simple député national. Je vous dis, et de surcroît premier vice-président de l'Assemblée nationale. Comme tel, il a un bilan. Et un bilan positif. Et il ne faut pas comparer le bilan d'un président de la République avec le bilan d'un député national. Il faut vraiment qu'il y ait une distinction là-dessus. Bilan Non, mais un bilan à l'IDPS, c'est ça pour largement positif. Il est le seul
Après 37 ans, quand il va partir, il dépasse le pouvoir. Déjà, Wana, il a bilan mobima. Pourquoi il s'en va? Même le père, le sphinx, n'a pas su ramener le DPS au pouvoir. Oh, ok, Kinkat, c'est Boutou. Non, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le bilan du président à la tête du DPS est largement positif. Ce qui est aux éléments contraires, il y a quoi là qui s'en va? Ok, Kinkat, c'est Boutou. Non, non, il faut arrêter. Arrêtez de. Non. Passez à l'essentiel. Non, écoutez. Je vous dis ici, Tozongi là, na makamoro, talimboka. Na ebisio awa que bilan y a président Jean-Marc Kabound est largement positif à la tête de l'UDPS. Bref, l'UDPS a outil opposition à qui a pouvoir. Écoutez, mon frère, je te dis, l'UDPS na opposition pendant 37 ans, mais Jean-Marc Kabound avec l'IDPS n'a pouvoir. Donc, sur ces plans-là. Management, Jean-Marc Kabound, c'est bon. Mais comment? Management, c'est bon. Je t'ai dit que le président Kabound, c'est un grand leader. C'est un grand manager. C'est un visionneur. C'est un grand manager aussi. Je vous dis bien que c'est un grand manager. Je t'ai dit bien que c'est un animal politique. Je t'ai dit bien ici que c'est un maître d'école, JMK. Quel maître d'école? Maître d'école de qui? Je te parle que le président Kabound, c'est un maître d'école. De qui? Ah bon, c'est à toi de répondre. Les commandants de l'IDPS. Bon, tout, écoutez. Président Kabound, Azar le seul Oyo, Etienne Tshisekedi y a Benga, héros vivant. Est-ce que Kola Sanga Moutouna IDPS, Oyo, les sphinx de l'humanité à Benga, héros vivant? Bande de aux autres cités comme on a Bango, Awa. Basaké n'a qu'à IDPS. Tu peux me dire qui est cette personne, Oyo, Benga, héros vivant? Jean-Marc Kabound, c'est lui. Azar maître d'école. Il y a fait un toit de Tshisekedi. Écoutez, passons à l'essentiel. Maître d'école, maître d'école. J'aime quand maître d'école. Alors, il me prend un peu de Mais yo, là, comprends-tu, au lingo, il m'a débat, mon coboy. Oyo, oyo, ils allaient consulter comme il y a battu. Moi, je suis venu ici sur la pour parler de l'État, parler de mon leader, mais surtout de sa vision pour les Congolais. Écoutez, ok. Une politique, tu as pas ensemble dans l'IDPS. Je vais partir de la Guinée. Nani? Je ne sais pas partir IDPS à Guinée. Mais président Kabound? Afrique, c'est ce qu'il a à Guinée. Il faut d'abord revenir là-dessus. Quand papa Etienne Akoufaki, président Kabound a Tralaki numéro 1 à parti, n'est-ce pas? Secrétaire général. Comme tel, il y a un parti. Président Félix. Il y a un texte. Il y a un texte. Président Félix Azalaki, ce qui est troisième secrétaire chargé des relations extérieures. Kabound a chef. Alors? Qui ne connaît pas ça? Oui, Azari chef, non? Azari chef, non? Mais, mon frère, toi, tu ne sais pas que le président Kabound était le numéro 1 du parti. Quand on parle de numéro 1 du parti, donc, toi, tu veux m'amener ici dans un débat pour n'avoir la considération comme il y a battu. Mais nous, autant qu'on va trouver bien. Non, je parle ici de mon leader. J'ai qu'un seul leader. Moi, je suis comme moi. Écoutez. Ami, le président Jean-Marc Kabound, chef de la partie. Il y a battu Nyonso. Il y a battu Nani. Battu tout. Même on a ce plan bureau là, à travailler dans la banane. Je vous dis, le secrétaire général est parti. Après, il y a le secrétaire. Adieu, le président Félix Azaki, adieu, le président Félix Azaki, adieu, je vois que tu veux m'amener dans ton piège. Malheureusement, je ne tomberai pas là-bas. Je reste objectif. Je t'ai dit, le président Kabound, Azalaki, numéro 1 est parti, tant que papa Etienne Akoufaki. Oh, il y a un texte. Tu peux me brandir une disposition. Assez qu'on nomme membre fédéral et IDPS, assez qu'on révoque, même qu'on nomme. Oh là là. Vous êtes dans les affirmations gratuites. Vous êtes dans les affirmations gratuites. Mais mon cas. Je suis un peu plus de temps. Et pas Nani, et pas président de la République, Félix. N'est-ce pas Nani? Mais Naoti Kolobati. Toi, tu as un problème sérieux là. Mais je n'aimerais pas revenir sur ça. Mais aussi, on comprend que Naoti Kolobati. Aïe du parti. Ok? Il a géré le parti.
d'une manière brillante. IDPS, Azana va membre du gouvernement. Ok? Kota Koutou Eleki, effectif, il y a des députés nationaux à Zakina. IDPS, Azana Yango. Donc, il y a un bilan où il faut qu'on mette sur les épaules du président Jean-Marc Kabound. Merci, Mme Boka. Non, la situation de l'Est mérite beaucoup d'attention de tous les Congolais. Nous devons tous accorder beaucoup d'intérêt à tout ce qui se passe à l'Est, surtout pour soutenir Bana Mboka, Mapinga Nabiso. Bazalina Front, je pense qu'ils n'ont pas même beaucoup de moyens. Ils ne sont pas même outillés. Mais ils essayent quand même de faire quelque chose. Yango Wana, au commandant du président Jean-Marc Kabound, qui premier vice-président de l'Assemblée nationale, a Bengisaki, ministre de la Défense, Naba officier Bélé, Ba généraux Bélé Wana, Ba Bengisaki Bango, pour demander des explications pour la ligne Bitouba et ses aussi datés. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous comprendre, le président Kabound a téléphoné qui Bango paye à Pesaki ma proposition. Ma proposition, voilà, Tilé Lo, parce que là, vous savez, il y a Yango Té. Yango Moulin de Gaulle. Jean-Marc Kabound a longué na bateau yo ya pouvoir yo ya lobi bandeko oyo to zali ko pesa bango batoli to zali ko pesa bango ba proposition ba zali ko yo ka yango te. Nous devons reprendre la lutte na ba kongolomani pour 2023 to atteindre sommet et puis tant que to atteindre sommet biso moko to mettre en place vision na biso ba proposition na biso pour na bosi sa bitumba na est yango Jean-Marc Kabound a longué le pemena Félix na biso que Jean-Marc Kabound 2023, a eu pouvoir habituellement la SP et SID. Par rapport à Monusco, vous êtes. Non, la Monusco, je pense que 22 ans plus tard, il faut Bakendi. Vous savez, moi, je suis. Combattant révolutionnaire. Et comme révolutionnaire, j'ai toujours dit seule la révolution libère. Donc, vous avez vu que le peuple, Banagoma, Bangomoko, s'est révolutionné contre Monusco. Et Basali Oyo, Basali Wana. Le peuple est souverain. Donc le peuple s'est vu devant un pouvoir ou bien devant les autorités. Il y a des preuves tangibles sur la Monusco. Il y a comploté dans la rébelle. Mais 22 ans plus tard. Il y a des preuves. Mais oui. Des preuves. Mais mon frère, vous. Réseaux sociaux, on a lancé la Monusco. J'ai dit il y a des preuves. Je ne m'aimerais pas encore revenir sur ça. Donc. Il y a des preuves qui attestent que la Monusco ne nous inspire plus confiance. Il faut Bakindi. Vous connaissez bien les missions traditionnelles de la Monusco. Et ça d'abord, on maintient de la paix. Depuis Bazawana, il y a des peines qui ont été mises à la Monusco pour maintenir. C'est pendant Bazawana pour observer. Il n'y a pas besoin de Congolais. C'est inadmissible. Il faut Bakindi. Je pense que les autorités compétentes, il faut Bakota, dans la réunion d'urgence, pour trouver des solutions palliative dans ma camouana afin que Kimia écoute dans l'Est. Ça va, merci beaucoup. Dans mon cas, mes commentaires assez bonne morale à venir. Ils par rapport à l'autorité président Nabino et à parti. Oui, morale Nabino, ils allaient calme et au zénith. Ben assez basali, si ma président Nabango Jean-Marc Kabound de maître d'école et parti Nabino, ils a parti de quoi là? Parti Moussouta, parti Nabino, ils a parti où il y est. Et un changement. Parce que d'abord, écoutez, nous prenons le changement. Notre parti, au moins, que le parti Nabiso est vrai, qu'on a parti où nous sommes. Nous allons corriger beaucoup de choses. Vous avez parti manette. Nous sommes un parti où il y a un bout de maintenant, il va prouver bien que ça a été. Écoutez, et ça aussi, expression de panique. Pourquoi Ngobila Sali, parti politique, va passer agrément? Moi, nous avons dit que le parti politique va passer agrément. Mandat en point, autour de la partie politique, va passer agrément. Pourquoi le président Kabound, quand Azali a initié le parti politique, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de passer agrément. C'est pendant toutes les démarches administratives, tout l'année, en bon n'y a pas de lobby. Il n'y a pas de passer agrément. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de passer agrément. Et ça, c'est l'expression d'une panique. Azali a bang. Ils savent qu'ils sont en face de qui. Azali en face du président Jean-Marc Kabound. Oh, tiens, c'est qu'il y a Benga, héros vivant. Cette personne, ce qui va passer à agrément. Donc, nous allons bouleverser Makambo Ebele dans Mboka Oyo. Makambo Nazo Lobanini, changement. Changement, autant que vous prenez dans la partie de la Bissot, il y a un changement radical.
Au Congo, même jeunesse est partie à Bissau. Bah, vous allez voir là-bas, jeune Oyo sauté. Nous allons recruter. Jeune Oyo, citoyen. Un citoyen, c'est lui qui connaît bien l'histoire de son pays. C'est lui qui connaît bien ses droits et ses obligations vis-à-vis de son pays. Nous aurons un parti moderne. C'est ce que je peux vous dire. Chef d'État, je ne connais pas chef d'État par rapport à Créman Abinou. Oui, mon président Mboka, il est le garant des bons. Voilà, il est garant du bon fonctionnement des institutions. Nani. Nazolo, mon président Mboka. Il s'appelle qui? La Constitution dit que le président est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il s'appelle qui? Comme tel. Nous voudrons à ce que assez azo agrément et puis tout continuer à fonctionner le coup la partie Moussoussou. Il s'appelle qui, notre parti n'a pas de Gonabiso. Ok, nous prenons le multipartisme, c'est-à-dire droit et existence de la partie politique. Il faut bâtir la partie Nabiso et azo agrément et fonctionner Nenge et Sengelobani de ko Félix message Oyo et Comélie. Nani. Mais président Félix. Béton. Au moins. Merci beaucoup, Mamboka. Tout comme la soukame, je n'ai pas 5 questions à poser. 5 Ok. 5 questions à poser. Là, si vous êtes très sincère. Oui. Première question à Bandi. Mike Mukebai. Augustin Kabuya. Maurice Katumbi. Si vous avez collaborateur proche, la prise à toi, tu sais que le monsieur de Kobengende, on a bien le président de la République. Moutou, il me goûte à la Pembe Naï. Je pense que. Bande de cognons sont au-dessus de la Bazali Bakongolais. Ok? Soit que Bangonion s'inscrit dans la vision du président Jamar Kabound, Bazali, le bienvenu. Je pense que j'ai répondu à votre question. Ok. Non. Je vous ai dit ici, Bissot, Tozali, Kotala, Moutouté. C'est question de vous conformer à la vision de l'AC. Ok? Vision du président Kabound. Notre programme est parti à Bissot. Dès que vous allez vous conformer à cette vision, en tout cas, mon frère, vous êtes le bienvenu au sein de notre parti. Oui, une éco-journaliste. Respecting ma pété. Mais en tout cas, yo moli bien que depuis naïa on a zéro respecté yo mingi. Moi je me suis thématique nangate. Alors. Si basate tu singa basate. Soit tu singa te kingani. Yo swinga kutu, swinga kuna zé première question nanga kutu bien te kutu. Martin Fayou, hey, qui? Mike Mukebai, Moïse Katumbi, Augustin Kabuya. Tu kana kamere kaka. Je réponds la même question. Non, soit ça te fait signer à Zaté. Je réponds. Bissot, Tozali, comprenez changement. Et notre changement est radical. Bande Konabiso, nous n'avons pas de problème avec des individus. Nous avons des problèmes avec le mode de gestion. Tout ni problème. Ce qui m'a dit qu'on a dit, va comprendre, va continuer à la vision du président Jamar Kabound. Non, il n'est pas question d'individu ici, mon frère. Ok? Il n'est pas question d'un individu ici. Ici, il est question de s'identifier. Hein? Quand on a vision, il y a assez de changement. L'alliance pour le changement. Tant que vous allez vous dire que vous avez des valeurs, vous allez vous prendre des valeurs. Vous allez vous divorcer, vous avez des valeurs. Merci beaucoup. Gabégie financière, la mégestion, la jouissance, l'incompétence. Au moins, vous allez vous dire que donc, ceux qui vous allez comprendre que vous allez vous dire que vous allez vous dire. Vous allez vous dire. Les premières questions. Ah, ok. Deuxième question. Félix Tshisekedi. Martin Fayoul, Moïse Katumbi, trois wana. Soit eu Jean-Marc Kabound a postulé des exemples. Yo qui nous voté, la même ça toi là, nous voté même. Tel que vous me voyez, je vote sur base d'un programme. Si vous avez un bas, la vote à comme tout est. Voilà, je ne vote jamais une personne. Je vote un programme des sociétés. Un programme qui peut répondre aux problèmes des Congolais. Ok?
Quand tu viens avec des individus, nous avons voté des individus ici, nous n'avons pas vu des choses concrètes. Mais nous avons. Et puis il faut que les Congolais soient comme une mature. Les Congolais ne sont plus dupes. Merci. Aujourd'hui, les Congolais, à côté qu'on vote Moutou, parce qu'on a une unanimité, nous allons voter sur base d'un programme. Merci. Un projet, donc une vision claire. Merci. Pour ne pas tomber dans l'absence d'une vision claire au sein de l'État. Dernière question, tout le monde. Voilà. On va toujours répondre à la question. On va finir la cartouche. Ok. Moi, je vais faire un tour de ce qui dit. Oui. Je vais faire un tour de ce qui dit. Qui est un niveau? Qui est un niveau? Qui est un niveau de titre? En tout cas, ne konangai tango yomoko zaliwana au fandi. Tu as la réponse à ta question. Mais il répond à tout. Non, tu as la réponse à ta question. Voilà Jean Magaboun. Boisier. Qui est niveau? Jean Magaboun doit être là dans mon rôle. Je vous dis que vous avez vu la brillante gestion du président Jean Magaboun de l'Assemblée nationale. Natumi. Le rôle congolais n'a qu'à mettre en cause. Hein? Niveau. Il y a gestion. Il y a Assemblée nationale, il y a président Jean-Marc Kaboun comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous suivez Jean-Marc Kaboun, t'es? Non, mon frère, le niveau du président Jean-Marc Kaboun est incontestable. Alors, il ne faut pas ici venir, n'a pas de question, à que non, oh, non, oh, non, non. Je vous réponds ici, je parle de mon leader dont j'ai reçu mandat. Je ne suis pas ici porte-parole de M. Félix, moins encore, il y a Batouroutu Koulobawana. Merci beaucoup, Namboura Bouaïs. C'est moi qui vous remercie. We'll be right back.